Bonjour, je devrais faire une petite salade. Alors, vous prenez un poireau, vous voyez, à deux sommets là. Faut que le couteau il passe par ces deux sommets sur toute la longueur du poireau. On laisse les racines. On arrête avant de couper les racines. Puis, dans de l'eau froide vinaigrée, on prend une feuille, on la trempe. Pour enlever toute la terre sur chaque feuille, une par une, soit sous le jet, soit dans le baquet rempli d'eau. Puis on coupe les racines, on enlève la tige dedans, on met droit dans l'émincheur le plus petit. Après, on récupère les gros bouts, on va les émincer à la main. Alors, il vous en faut 210 grammes. On met sur le feu avec un peu d'eau et une cuillère à soupe d'huile d'olive et un couvercle au début. Quand ça réduit de moitié, on enlève le couvercle et on vient remuer régulièrement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Ensuite, on passe un concombre, et bien sûr le plus petit. Alors, il vous faut 220 grammes de concombre. Quand les poireaux sont fondants, on arrête la cuisson. On met à refroidir dans un bac d'eau froide un quart d'heure. Ensuite, on émince, puis on hache des cébettes. Alors, il vous faut 22 grammes. On va couper plus fin avec un ciseau. On fait cuire un tiers d'un kilo de pâte. Moi, je le fais à l'œil, le sachet d'un kilo. Al dente, on les refroidit sous un jet d'eau froide. Puis on réunit tout. On salera, on poivrera dans l'assiette. Pas avant, ça va cuire le concombre. On va servir froid avec des saucisses au barbecue. Et voilà, bon appétit!